automobile disputée sur la promenade des Anglais débute par la coupe du casino réservée aux voitures de petite cylindrée. Charles Farou donne le départ pour les 45 tours du circuit. Les virages en pleine ville ne manquent pas d'être impressionnants. Finalement, après avoir mené toute la course avec une sûreté égale à celle de sa machine, c'est Scarron qui triomphe sur Simca à la remarquable moyenne de 86 km 360. On donne ensuite le départ du 4e Grand Prix international de Nice, réservé aux grosses voitures. Est extrêmement vive et les incidents nombreux dont Chiron et Etancelin sont les principales victimes. C'est l'Italien Villoresi qui mène pendant presque toute la course. Seul le Français Sommer lui oppose une résistance farouche et parvient même à prendre la tête pendant deux tours. Mais Villoresi triomphe finalement, ouvrant les 208 km à la moyenne de 104 km 386 à l'heure.